Alors nous nous retrouvons eh bien, pour une formation sur 7 états comptables et fiscaux traitant eh bien, de la réalisation de votre plaquette dans ce logiciel. Alors la plaquette, elle se trouve dans le menu traitement ici, et donc saisie complémentaire plaquette, plaquette, et donc contrôle de cohérence de la plaquette. Donc je vais directement aller dans la plaquette, donc je vais pouvoir voir à l'écran effectivement ce que ça donne. Donc je vais cliquer ici sur la plaquette, et là je vais voir que de base, je n'ai pas de plaquette qui est associée directement à ma société. Voilà, de base, ce n'est pas prévu par le logiciel, effectivement, ça se paramètre. Je vais vous montrer comment faire. Et donc ici, eh bien, vous allez retrouver l'ensemble des plaquettes disponibles dans le paramétrage standard de Sedge. Voilà, donc vous voyez, on a quand même énormément de plaquettes. On retrouve ce que l'on avait vu ensemble, la personnalisation de la plaquette. Donc ici, la plaquette qu'on avait créée ensemble, plaquette formation tuto. Et donc, je vais pouvoir ici rentrer, eh bien, sélectionner cette plaquette, et donc ici sur le bouton OK, voilà, le logiciel eh bien, va m'établir directement eh bien, ma plaquette. Voilà, donc ici je vais retrouver eh bien, ma page de garde, ma page d'intercalaire, et ensuite mon bilan actif, mon bilan passif, le compte de résultat, le compte de résultat, et ainsi de suite. Donc je vous le disais, on peut pré-paramétrer un modèle de plaquette pour ma société. Donc pour cela, aucun problème. Dans le menu fichier, paramètres société, dans la configuration des traitements, ici, dans le petit icône plaquette, voilà, vous avez, ici on a un seul volet, donc le volet modèle. Et donc ici on va associer une plaquette à ma société. Et donc je vais associer maintenant ma plaquette formation tuto. Voilà, donc là vous allez voir, l'expérience va être un peu différente dans le sens où quand je vais cliquer sur plaquette, je ne vais pas devoir sélectionner et eh bien parmi les différentes plaquettes disponibles dans Sedge. Donc voilà, plaquette. Et là, le logiciel m'ouvre directement la plaquette que j'ai associée à ma société.